chan chiquiti tan 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 que tum bam bam que tum bam que tepe tepe. Bonjour, changement d'univers. On va maintenant parler de quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques mois et dont les chansons sont dans notre cœur, dans votre cœur, pour toujours. Même si vous êtes de la nouvelle génération, vous connaissez ces chansons. On va faire le portrait de Marie Laforêt en compagnie de ses filles et en compagnie également de Laurent Ruquier, qu'il a bien connu puisqu'il a été le dernier producteur. C'est lui qui, le dernier, l'a produit sur scène. Alors, Marie Laforêt était une femme qui ne ressemblait à aucune autre. Douée pour tout, brillante, une intellectuelle. Elle a été une grande actrice. Elle a tourné une quarantaine de films, des centaines de chansons. Elle a été galeriste, commissaire-priseur. Douée pour tout, jamais contente. Une femme que vous allez peut-être redécouvrir ou découvrir. Et vous verrez que Marie Laforêt va laisser et laisse une trace extrêmement importante dans le monde culturel. Toutes ces chansons que vous allez entendre, vous les connaissez. Et je vais rejoindre ses filles après. Viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, oh, viens, viens, que tout recommence, viens, viens. Sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'enfile pas. On peut vivre sans richesse, presque sans dessous, des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui n'approuve rien. Être inconnu dans l'histoire, s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. La neige sur Yesterday, le soir ils se sont quittés. Le brouillard sur la mer s'est endormi. Hey yellow, c'est Mary, it's you that beats the sun. Un cottage à Chelsea. Répondir le soleil d'été.
Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de bruyère, tout le long de la rivière, vous cueillez la mirabelle, souvenez de tourterelle. Quelques-uns des succès, mais il y a eu 18 CD qui figurent dans ce coffret magnifique, des centaines de chansons, et on va parler de Marie pendant plus d'une heure, en compagnie de deux personnes totalement légitimes, puisque ce sont ses filles. Lisa Azuelos, qu'on ne présente pas, on s'est déjà vu, puisque vous faites des films dont on parle souvent, et puis Deborah Kanzriber, qu'on voit moins souvent. Je crois que les chansons que vous avez vues là ont été enregistrées sur ce plateau. Je pense que dans cette séquence, vous étiez dans le public. Exact. Oui, je me souviens très bien. C'était une des premières fois que j'accompagnais maman sur un plateau. Et j'étais très émue de l'avoir chanté. C'était la première fois que je la voyais vraiment chanter ses chansons en vrai. C'est vrai. Alors, Marie avait trois enfants. Vous avez un frère, Mendy, qui doit avoir une cinquantaine d'années, que j'ai connu bébé, qui vit, je crois, en Espagne. Alors, présentez-vous. J'ai croisé votre papa. Alain Kanzriber. Vous êtes donc demi-sœur. Vous avez grandi où ? J'ai grandi un petit peu, enfin beaucoup à Paris et un petit peu à Genève, et puis de nouveau à Paris. Vous avez fait des études ? Oui, j'ai fait des études d'histoire de l'art, après j'ai fait des études de théâtre, je suis partie vivre à New York, et puis je suis rentrée, et puis je suis devenue éditrice. Voilà, et je suis encore dans ce milieu-là. Et vous travaillez un peu avec votre sœur sur des adaptations de livres pour le cinéma ? C'est ça, exactement, et de script doctor et de lecture de scénario et tout ça. Alors, vous parlez d'histoire de l'art, mais je l'ai dit en présentant cette émission, votre maman était très, très compétente dans ce domaine. C'est une de ses passions, mais c'est difficile de définir votre maman, parce que moi, le souvenir que j'ai de votre mère, c'est que c'était quelqu'un qui n'était jamais contente d'elle. J'ai rarement vu une artiste se sous-estimer autant, non ? Ah oui, C'est drôle parce que ça m'a presque donné le goût de faire le contraire. C'est vrai que c'est difficile, vous disiez avant qu'on démarre qu'elle détestait les applaudissements. C'est difficile de recevoir de l'amour en fait, et parce que c'est ça en fait, être content de soi, c'est recevoir les applaudissements avec humilité aussi, de pouvoir se dire qu'on vaut ça. Et elle se disait toujours « je ne vaux pas ça ». Et en même temps, elle savait que ce qu'elle faisait était très beau et très bien, parce que jamais elle ne se serait permis de faire quelque chose qu'elle n'aurait pas considéré comme important ou beau, ou en tout cas, elle y mettait vraiment tout son savoir-faire. La première fois que j'ai entendu parler de votre maman, c'était à Soulac, en Gironde. Vous venez de là. Ça s'appelait Maïtena de Ménac. En basque, Maïtena, ça veut dire aimer. Hein. Aimer. Oh, c'est dingue, ça va. Eh oui. Comme quoi. Il a fallu que j'attende tout ce temps pour le savoir. Oui, elle a été très aimée, oui. Votre maman. Elle avait une image de diva. Hein. Elle avait des fans inconditionnels, dont un qui s'appelle Monsieur Masson. Johan. Qui, lui, Johan. Est un peu à l'origine de ce coffret. Ce qui est étonnant en écoutant ça et en lisant les textes, c'est qu'on a l'impression que votre maman, qui savait qu'elle allait partir, a voulu elle-même s'occuper de ce qu'elle allait laisser sur le plan artistique, dans les moindres détails. Ah ben de toute façon, tout ce qu'elle a toujours fait, c'était dans les moindres détails. Hein. Ça, on peut lui reconnaître ça. Et c'est vrai que
Johan a réussi la prouesse que ben, même nous deux, on n'a jamais réussi, de vraiment la mettre en avant et de dire, ben, voilà, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pas juste que les gens ne voient pas tout ce que tu as fait, parce qu'il y a les 10, 15 chansons que tout le monde connaît. Et ça a été vraiment la première artiste à faire de la world music, à chanter dans quoi ? Dans peut-être 10, 15 langues. Enfin, elle a des choses qui sont des vraies pépites qui aujourd'hui passeraient en radio et seraient des énormes tubes, parce que la world music aujourd'hui, c'est énorme. Alors, vous avez des souvenirs sans doute différents. Si j'ai bien compté, je crois que Marie a dû être mariée 4 fois. Ouais. J'ai croisé votre papa, Julien Azuelos, on était voisins. Et il ne fait pas partie des mariés, mon père. Non, lui, il n'a pas été marié. Voilà. Alors, avec le recul, quand vous écoutez ça, quand vous avez vu tout ce qui a été écrit depuis sa disparition en novembre dernier, qu'est-ce que ça vous fait de revoir tout ça ? Et est-ce que la Marie Laforêt dont on parle, c'est celle que vous connaissiez ? Ben, c'est surtout elle qu'on connaissait, parce que moi, personnellement, je n'ai pas passé beaucoup d'années avec elle, à vivre avec elle. Une grande partie de votre adolescence, vous étiez en pension. Oui, et puis de mon enfance, après, j'ai été beaucoup avec mon père. Mais c'est surtout l'artiste que je connaissais bien et que... Même la maman, mais disons que j'ai jamais vraiment séparé artiste et maman. C'est quelqu'un que j'ai vu beaucoup à la télé. Oh, c'est trop mignon cette photo. Voilà. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est une énorme chance d'avoir une mère connue, parce que depuis qu'elle a disparu, en fait, je vois des choses d'elle que je ne connaissais pas. Voilà. Je revois mon enfance que je connaissais pas. Oui. Je revois des preuves qu'on était quand même très liés. Mais c'est des âges où on se rappelle pas des choses. Et en fait, je me dis, quand on perd un parent et que ça part dans l'anonymat, ça doit être beaucoup plus douloureux. Pour moi, c'est un grand... c'est vraiment quelque chose de très tendre. Et ça me permet de recréer aussi une relation avec elle magnifique. Même depuis qu'elle est partie, la relation s'arrête jamais, en fait, avec les parents. Alors, vous, le cinéma, qui était quand même son premier métier, sa passion, elle a tourné près de 40 films, le cinéma, ça n'a pas été la première partie de votre vie, parce que je crois, le souvenir que j'ai de votre papa, qui était d'origine marocaine, c'était un homme d'affaires, donc vous avez d'abord travaillé dans les affaires, avant de rejoindre le 7e art, non ? Oui, alors en fait, c'était avec son troisième mari, qui lui était agent de change, en fait, donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui la finance. La finance. Et j'ai vraiment détesté ce milieu, mais alors ça a été très clair tout de suite. Et c'est cette détestation de ce milieu de la finance qui m'a permis de pouvoir aller porter les poubelles sur les plateaux de cinéma et d'en être très heureuse et d'apprendre ce nouveau métier. Et vous vous êtes beaucoup vue ? Lisa s'est beaucoup occupée de moi à ma naissance jusqu'à mes 3 ans. Après, on s'est un peu quitté. On a 9 ans d'écart, donc on a vécu effectivement une enfance très différente et des histoires très différentes. Et on s'est retrouvés un peu plus tard, de façon très naturelle, un peu pour parler d'elle, beaucoup pour parler d'elle, et on est très proches. Est-ce que vous avez connu la même, si j'ose dire ? Ben, toi, tu as ce côté artiste, tu te rappelles de son côté artiste et de son... Parce que je pense que tu l'as plus connu dans les... Tu vois, les années 70, moi j'étais déjà là en 70. C'est vrai que les 9 ans d'écart, c'est ça qui fait que... Voilà. Alors que moi, je n'ai pas du tout connu ça. Pour moi, je savais qu'elle chantait, qu'elle était un peu connue et que c'était une artiste, mais elle avait déjà un petit peu arrêté. Elle faisait de temps en temps quelques films, mais assez rarement. Oui, dans les années 80, elle en avait marre et elle avait tourné la page. Alors, en lisant ce coffret, on découvre des choses assez douloureuses de la petite enfance, qu'elle n'avait jamais oubliée quand même. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'elle a oublié une grande partie de sa vie. Vous parlez du fait qu'elle s'est rappelée qu'elle avait été victime d'un pédophile, en fait, oui. Et qu'elle avait subi un viol dans son enfance, et c'est quelque chose qui lui est remonté... Dans sa petite enfance. Oui, elle avait 3 ans, donc c'est vraiment tout petit. Mais de toute façon, sur la pédophilie, on n'est jamais assez grand, hein, donc voilà. Et à l'époque, on n'en parlait pas comme maintenant. Non, on n'en parlait pas. Et puis elle, ça lui est remonté d'un coup. Aussi. Et en fait, ça lui a rééclairé toute une partie de sa vie, tout un trauma. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle avait tant de mal à recevoir les applaudissements, etc. Parce que c'est forcément, quand on est victime de pédophilie, ben, l'amour est aussi très collé avec une violence. Et pour elle, en fait, peut-être que ces témoignages d'amour étaient aussi une violence. Oui. Et ça l'a privé un peu du sucre ou du sel de ce métier, parce que vraiment, elle était extraordinaire sur scène et les gens l'adoraient, quoi. Alors, au départ, en 59, dans un concours de théâtre, elle remplace sa sœur. Ouais. Et Louis Malle va la remarquer,
le metteur en scène si célèbre. Et là, il y a une interview d'elle qu'on va écouter. Une de ses premières interviews, elle est gamine. Hein. Écoutez. Vous avez toujours rêvé d'être comédienne ? Non, absolument pas. Qu'est-ce que vous vouliez devenir ? Ce que je voulais devenir, c'était assez vague dans mon esprit jusqu'au mois d'octobre, étant donné que je faisais mes études et qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'à terminer mes études et puis c'était tout. Mais ce que j'aurais voulu faire au mois d'octobre, c'était les disques, chanter. Et puis je me suis trouvée embarquée vers la comédie. Vous avez déjà rêvé d'un rôle ? D'un rôle, c'est-à-dire d'un personnage qui vous plaise particulièrement ? Oui, depuis 8 jours. Celui de Liberté, à part ça, c'est tout. Mais vous n'avez jamais rêvé de théâtre, vous n'avez jamais rêvé de cinéma particulièrement? De cinéma, non, de théâtre, plus. Est-ce que vous êtes faite pour ce métier? Enfin, vous venez de Cannes, vous avez vu ce qu'était ce milieu assez extravagant. Je crois même que vous avez été accueillie à Cannes par des affiches avant même, qui étaient posées, oui, avant même votre arrivée. Oui. Vous avez été entourée d'une meute de journalistes, vous avez vu beaucoup de producteurs et de visages assez étonnants aussi. Est-ce que vous êtes faite pour ces hommes, pour ces femmes qui constituent le milieu de cinéma? Je ne crois pas, non, à vrai dire, je ne crois pas. Elle est trop mignonne. Extraordinaire, hein. Je ne crois pas, non, elle est toute timide, elle est trop mignonne. Merveille, hein, quel visage. Alors, on va parler de vos grands-parents, parce que votre grand-père, le papa de Marie, ne rigolait pas, hein, polytechnicien, scientifique, Jean-Eugène Denis Domenac. Il a été patron d'un atelier de construction ferroviaire. Votre grand-mère s'appelait Louise. Elle a eu une enfance en Gascogne, puis dans le nord de la France et à Paris. Et elle dit dans le coffret, elle a toujours chanté à la maison. Et votre grand-mère disait, cet enfant me rendra folle. Elle était déjà une adolescente compliquée. Hein. Adolescente, je ne sais pas si elle était... Non, mais elle... Elle avait un vrai caractère. Elle avait du caractère, oui. Elle vous a raconté son enfance, son adolescence souvent. Cette période-là de l'adolescence, en fait, on a l'impression qu'elle n'a pas eu lieu. Dans ce qu'elle nous racontait d'elle, c'était vraiment la petite enfance avec cette énorme blessure. Et puis tout de suite, Louis Malle, voilà, moi j'ai un... Et puis j'ai ce moment quand même du concours à Soulac, où qu'elle remporte, qu'elle va pour... parce que sa sœur n'a pas pu se présenter ce jour-là, donc vraiment elle y va comme ça, et du coup elle n'a pas eu le temps d'avoir le trac. Donc ça, j'ai eu un petit peu cet épisode-là, mais le gros de ce qu'on connaît d'elle, c'est vraiment après 59, Plein Soleil, Louis Malle. On va y venir dans un instant. Elle avait un rapport particulier avec la religion, parce que moi, j'avais eu une conversation un jour avec elle, où elle m'a dit qu'à une époque, elle voulait rentrer dans les ordres. Ouais. Elle voulait rentrer au couvent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chanteuses, parce que je m'en suis rendu compte aussi, Dalida aussi voulait rentrer dans les ordres. Elle était partie en Inde. Il y a beaucoup de chanteuses... qui voulait rentrer dans les ordres, qui voulait se consacrer comme ça. La danseuse Mireille Nègre. Ouais, mais c'est de toute façon être artiste, c'est un sacerdoce. Hein. Oui. Donc quelque part, voilà. C'est logique. Alors évidemment, en 1960, il y a Plein Soleil. Delon, René, d'après le best-seller de Patricia Highsmith, c'est un polar, film absolument culte. Et puis beaucoup plus tard. Elle va rencontrer l'autre monstre sacré du cinéma qu'est Belmondo, Joyeuse Pâques, la fameuse pièce de Poiret adaptée au cinéma par Lautner, avec la petite Sophie Marceau, que vous allez rencontrer beaucoup plus tard. Ouais. Ça aussi, le destin est étrange. Hein, ouais, oui, c'est... LOL est arrivé tellement après. Bah, la première fois que j'ai rencontré Sophie, c'était sur le plateau de Joyeuse Pâques, puisque nous, on passait les vacances avec maman à Nice. C'était une des rares vacances où on était tous les trois. Et puis, comme elle était dans un hôtel assez sympa pour le tournage, on était à Nice tous les trois et j'ai croisé Sophie la première fois dans un ascenseur. Elle a tourné 3 films avec Jean-Paul d'ailleurs. J'ai vu Jean-Paul il n'y a pas trop longtemps, il m'a parlé d'elle, il s'en souvient très très bien. Oui, il était toujours très gentil. Chaque fois qu'il me croisait, il me demandait comment elle allait. Oui, absolument. Alors, Joyeuse Pâques, bon voilà. Le mensonge raconté par Poiret, hein. La dame qui va en week-end, elle revient sans prévenir et son mari est avec une jeune fille. Qui est cette jeune fille? C'était un énorme succès. Mais d'abord, Plein Soleil, c'est le premier film de votre maman que vous avez eu? Oui. Est-ce que c'est le premier dans l'ordre? Je ne suis pas sûre. Non, non, mais non, sûrement pas même. Non, moi j'ai vu Le Petit Pousset. Je pense que c'est le premier film que j'ai vu avec elle. Oui. Parce qu'elle jouait la reine. Et il m'avait emmené le voir au cinéma. Et j'avais découvert ma maman au cinéma parce que j'étais petite et Plein Soleil, ce n'est pas un film qu'on voit à 5-6 ans. Quoi. Non, et quand elle tourne Plein Soleil, le monde du cinéma écrit qu'elle est partie pour une longue carrière de star. Regardez, René, Delon, Marie Laforêt, regardez comme ils sont beaux tous les trois.
On vous a apporté ce souvenir. Il faudrait peut-être que je dise merci. Alors j'ai dit merci. On est allé à Rome prendre un verre avec Enrico, et ça n'est pas un drame. Vous n'êtes même pas revenu pour le mariage de Brienne. Pour ce que j'ai compris, c'est fort bien passé de nous, hein. Mais ne t'inquiète pas, je serai là pour le nôtre. Regardez, il est un peu taché dessus, mais à l'intérieur, il est encore très propre. Assez ! Barre ! Même pas un coup de téléphone, rien. Tu veux que nous allions rejoindre Freddy à Taormine, hein ? À propos, il t'envoie ses amitiés. Mais ne fais pas cette tête-là ! Mais tu te rends compte ou quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mamie. Ma Marge. Maman. Eh ben Stéphane, tu vas pas ennuyer mademoiselle toute la nuit avec tes discours d'économie politique. Oh, comment c'est toi ? Voyez-vous, le plus difficile dans mon cas, mademoiselle, c'est de ne pas tomber dans la légende de dessin humoristique. Évidemment, ce sont des situations bêtes. Eh oui. Parce que, fatalement, on s'imagine des choses. Ah, fatalement ? Alors, naturellement. Eh oui, naturellement. On se trouve en porte-à-faux. Vous souhaitez que je participe au dialogue ou non ? Non. Si ça vous fait rien, je préférerais voir comment mon mari va s'en sortir tout seul. Comme vous voulez. Oui, parce que c'est vrai, avouez qu'il n'est pas dans une situation facile. Non. Non, c'est vrai, on met une dame dans l'avion à 19h, elle revient à l'improviste à 1h du matin, elle retrouve son mari avec une charmante jeune femme. Oh, charmante. Si, si, charmante. Je suis coiffée n'importe comment. Ah ben, ça vous va très, très bien. Voilà, écoutez, je crois que je vais vous laisser face à ça. Oui, avouez que cette dame est en droit de se poser des questions. Alors ensuite, eh bien, il y a eu d'autres films très importants. Aux côtés de Paul Gers, La rencontre avec Jean-Gabriel Albicoco. C'est son premier mari. Et La fille aux yeux d'or, elle gardera ce nom. Oui. D'ailleurs, quand elle nous a quittés, Le Monde a titré La fille aux yeux d'or a refermé ses yeux pour toujours. Vous vous souvenez de ce film ? Bah, c'est des films merveilleux, en fait, parce que c'est à la fois toute une époque. Elle est incroyable dedans. Et avec le même Gabriel Albicoco, Laura d'Amérique. Avec Charles Aznavour, oui, d'après Lanzmann, avec Charles Aznavour, absolument. Et puis, il y a eu Flic ou voyou, retrouvé avec Jean-Paul, un énorme succès. Les Morfalous, écrit par Audiard, Henri Verneuil, troisième collaboration avec Jean-Paul. Puis il y a eu également Fucking Fernand, avec Thierry Lhermy de Gérard Modilla, où elle était en compétition pour les Césars, il faut le rappeler, en 88. Et puis le dernier film, en 2008, c'est Les Bureaux de Dieu, de Claire Simon, qui décrit la vie d'un centre de planning familial et des histoires qui s'y racontent. J'aimerais savoir, elle était actrice ou chanteuse, votre mère ? En fait, c'était une grande artiste. Je pense que c'était, parce qu'on peut s'en rendre compte dans le coffret d'ailleurs, c'est elle qui a écrit 15 pages magnifiques. Pour moi, presque son plus grand don, c'est l'écriture, bizarrement. Oui. Et Dieu sait qu'elle chante bien, Dieu sait qu'elle joue bien. Donc c'est une artiste totale. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu l'habitude de mettre les artistes dans des petites cases. Donc déjà, chanteuse et actrice, bah, ça devait faire trop d'informations pour le commun des producteurs, on va dire. Mais en fait, elle était tout ce qu'elle faisait, même quand elle cuisinait, même quand tout était tout le temps artistique, innovant, etc. Donc voilà, pour moi, la décoration de ses maisons. Ouais, décoration, la déco intérieure incroyable. Ouais, beaucoup. Ouais, elle a été commissaire-priseur. Enfin, je veux dire, elle a fait tellement, tellement, tellement de choses. Il n'y a pas une galerie d'art qu'elle n'a pas visitée. Ah oui. Vraiment, ni un musée, ni un peintre qu'elle connaissait pas, ni. Bon. Alors, quelle mère elle a été ? Est-ce qu'elle a trouvé le temps d'être mère quand même au milieu de cette vie de femme libre ? Il y a eu des périodes où elle était très présente et très maman et très, très protectrice. Et moi, j'ai connu ça. Mère et grand-mère, après. Oui. Lisa, je pense qu'elle a un peu moins connu ça. Moi, j'ai eu une période très concentrée, mais où vraiment, elle a joué son rôle de maman parce qu'elle était justement un peu moins sur les plateaux et elle avait décidé d'être un peu plus disponible pour la famille. Donc moi, j'ai connu ça, ouais. Et c'était une maman plutôt gay et donnant des dîners, des réceptions. Elle ne s'occupait pas vraiment des devoirs, mais elle était là. On allait aux cours de danse, on pouvait discuter de... Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui était à l'aise dans tous les milieux. Et finalement,
On se demande si elle a aimé vraiment le milieu du cinéma. Elle a préféré la chanson, il me semble, non ? En tout cas, je pense que ce qui sortait d'elle quand elle chantait, c'était tellement elle, c'est comme de l'huile essentielle de Marie Laforêt, la chanson. Hein. C'est vraiment quelque chose de très proche d'elle. De toute façon, la voix ne ment jamais. Hein. Et le cinéma, ça implique trop de gens. Moi, enfin, je suis bien placée pour le savoir. Entre le scénario qu'on lit et puis le produit fini, les coupes, les montages, etc. Elle était toujours déçue, finalement. Les concessions qu'il faut faire. Les concessions, etc. Elle était toujours assez déçue. Ce qu'elle aimait surtout, c'était rencontrer des gens intelligents. Et j'avoue qu'elle m'a souvent dit, il n'y a pas tellement de gens intelligents. Voilà. Et pour elle, c'était un problème. Quand vous lui avez dit que vous alliez faire du cinéma, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Je ne sais même pas si je lui ai dit, en fait. Je crois que j'ai fait d'abord. Et puis, mais vraiment, elle n'a pas été forcément toujours là comme maman. Mais en revanche, elle a toujours été là pour moi, artiste. Et elle m'a énormément encouragée. C'est-à-dire, il y a beaucoup de parents qui ont tendance à casser leurs enfants quand ils font des trucs artistiques. Et moi, elle m'a dit, depuis le début, elle m'a dit, t'as un talent fou, c'est fou le talent que t'as, c'est extraordinaire, etc. Et donc, c'était très, très important pour moi, son regard sur l'artiste que je pouvais être aussi, parce que c'était une artiste que je vénérais, quoi. Qu'est-ce qu'elle a pensé de vos films ? Elle a toujours adoré mes films. Vraiment, elle me disait... Alors, si ça marchait, moi, elle me disait, c'est des cons, de toute façon, faut que tu t'habitues, c'est tous des cons. Voilà, bon, c'était ça. Est-ce qu'elle avait beaucoup d'amis dans ce métier, votre maman ? À part Laurent. Laurent Ruquier, bien voilà. Sûr, c'est un nom qui revient énormément. Elle était très amie aussi avec une... quelqu'un qui faisait beaucoup ses costumes, qui était Renata, qui a disparu 3 mois avant elle. Ça, c'est vraiment les deux amis. Après, elle a eu beaucoup... Vous savez, les gens, quand ils sont connus, ils ont plein d'amis. Quand ils sont jeunes et connus, ils ont plein d'amis. Et puis, dès qu'ils sont un peu plus vieux, un peu moins connus, ben, ils ont moins d'amis. Le téléphone sonne moins. Voilà. Donc, mais bon, elle a... c'était quand même une femme qui était très aimée. Elle aurait pu en avoir plus, mais c'est pas qu'elle avait pas d'amis, c'est qu'elle aimait beaucoup la solitude. Alors justement, ça bon enchaînement, vous avez parlé de son amitié avec Laurent Ruquier. On n'aurait pas fait cette émission sans vous, bien sûr, et sans Laurent, parce que Laurent, c'est une rencontre tout à fait étonnante sur le tard. Vous allez voir comment il parle d'elle, et vous allez voir comme c'est émouvant et comme il définit bien ce que c'est qu'aimer quelqu'un. Merci, cher Laurent Ruquier. Avec Françoise Coquet, on n'aurait pas consacré un vivement dimanche à Marie Laforêt sans ses deux filles et sans vous, puisque vous êtes à l'origine de son retour sur scène en 2005. Mais, question que je me pose, vous êtes né en février 63 au Havre. Oui. Les Vendanges de l'amour et Viens sur la montagne, c'est 64. Vous aviez un Walkman à la maternité ? Non, mais j'écoutais les chansons de Marie Laforêt et d'autres artistes de l'époque dans les années 60 et 70. Puis j'aimais les grands succès de Marie Laforêt. C'est dans un deuxième temps seulement que j'ai appris à connaître les autres chansons. Mais évidemment, comme tout le monde, moi, ce qui m'a bercé, c'est Il a neigé sur Yesterday, Les Vendanges de l'amour, parce que repassaient Mon cher Franz. Les anciens tubes, Mon cher Franz aussi, évidemment. Mais voilà, les grands succès de Marie Laforêt, Toi, mon amour, mon ami, et Mène Montparnasse, des chansons comme ça. Mais j'aimais beaucoup Marie Laforêt. Je n'étais pas une énorme fan non plus. J'aimais beaucoup Marie Laforêt, comme beaucoup d'autres artistes de variété que je voyais passer à la télé à l'époque. Avant tout, je la trouvais belle, très belle et drôle. Alors, votre première rencontre ? Ma première rencontre, c'est dans les années 90, à l'époque où j'anime Rien à cirer sur France Inter. Mais je ne connaissais pas si bien que ça l'intégralité du répertoire. Vraiment, il faut que je sois honnête, c'est après. En fait, c'est sur le tard, c'est entre 1994... Il y a 200 chansons. Et jusqu'à aujourd'hui que j'ai découvert la totalité du répertoire, les autres chansons. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, quelle carrière, quel parcours, quelle diversité dans les chansons, parce que là, on ne connaît que les grands succès. Bref, elle vient dans l'émission, je fais son portrait, comme c'était la tradition dans Rien à cirer. Pas trop vachard, parce que je l'adorais, donc il n'y avait aucune raison que je sois méchant avec elle. Et évidemment, elle s'amuse et elle rit beaucoup. Et ce qui nous a fait mieux nous connaître, c'est que c'est vrai que j'ai la chance, quelques années après, d'avoir ma première pièce qui se joue au théâtre avec Isabelle Mergault. La presse est unanime. La presse est unanime. Et c'est un gros succès, contrairement à ce que tout le monde attendait. Joué par vos chroniqueurs, si exactement, vous voulez. Exactement. Parce que personne ne voulait jouer vos pièces. Exactement. Personne ne voulait jouer mes pièces. Donc, c'était Mesrahi et les autres. Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'au bout de 4 mois... La pièce qui remplit le théâtre des variétés
va peut-être s'arrêter parce qu'Isabelle Mergo a des problèmes dentaires et elle dit « je ne peux pas continuer ». Et là, je suis bien embarrassé parce qu'évidemment, le théâtre dit « mais il faut continuer, la pièce est un carton, mais qui on va prendre pour remplacer Isabelle Mergo ?» Et là, je dis « Marie Laforêt ». Il n'y a que Marie Laforêt qui est capable d'accepter. Non, mais comment vous l'avez convaincue? Parce que connaissant Marie, elle a dû dire non tout de suite. J'appelle Marie, je me souviens très bien, elle est dans les rues de Genève. Et elle décroche et elle me dit Marie Laforêt, je dis bonjour, c'est Laurent Ruquier. Ah ben oui, bon, elle voyait très bien qui j'étais quand même, hein, mais on vous dit, on n'était pas encore amis à ce moment-là, on s'était croisés deux fois seulement. Et je lui dis voilà, j'ai écrit une pièce qui cartonne en ce moment, qui est jouée par Isabelle Mergo, mais qui doit s'arrêter. Est-ce que vous acceptez? Il fallait quand même qu'elle accepte de jouer avec Jean-François Derec et Gérard Miller. Après avoir joué avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, ça fait quand après même... plein soleil, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Eh bien, elle n'a pas réfléchi. Elle m'a dit tout de suite, oui. Voilà, mais au téléphone, oui, tout de suite. Pour vous, oui. Voilà comment a démarré notre amitié, parce que j'ai trouvé ça tellement incroyable. Puis c'est vrai que voilà, Marie avait ce côté fantasque, pardon pour sa mémoire, mais parfois on hésitait à lui confier des rôles. Moi, je sais que parfois dans les théâtres, on me disait « Ah non, pas Marie Laforêt », ce qui était totalement ridicule, parce que contrairement à ce que tout le monde a pu me dire, Marie, pendant les 4 ou 5 mois que la pièce s'est jouée avec elle, puisqu'elle s'est donc jouée avec elle, elle s'est poursuivie peut-être de janvier jusqu'à juin, elle était là tous les soirs, professionnelle. Elle a repris un rôle qui n'était pas facile parce qu'il faut quand même passer, même quand on est Marie Laforêt, il faut quand même passer derrière Isabelle Mergo. Ce sont deux styles tellement différents, oui. Mais elle était formidable, évidemment. Alors, autre performance, la faire revenir sur scène. Ah, ça, c'est autre chose. Au Bouffe Parisien. Alors, comment vous avez réussi à la convaincre? Elle ne voulait plus chanter? Après la pièce, on ne se quitte plus. Voilà, là, on devient amis. Et on n'a pris qu'une semaine au Bouffe Parisien, parce qu'on s'est dit, bon, une semaine, c'est déjà pas mal. Hein. On voit bien les artistes chanteurs, quand ils font une semaine dans un théâtre, c'est déjà beaucoup. Et sold out. Mais même pas, on avait annoncé les... Forcément, elle est rare, très rare. C'est une diva. Elle a des fans qu'on ne soupçonne pas. Donc, sold out. Donc, on avait ouvert la location. C'était déjà plein. C'est mon plus beau souvenir professionnel, hein, encore aujourd'hui. Son retour est un triomphe, mais il devait y avoir une tournée d'adieu. Pourquoi elle n'a pas eu lieu? Pardon, Marie, de raconter ça, parce que je voudrais dire tellement de choses positives sur elle, mais le côté fantasque que pouvait avoir oui. Marie, puis le côté l'écart qu'elle pouvait avoir, le pas en arrière qu'elle pouvait avoir par rapport à ce métier, a fait qu'un soir, on avait rendez-vous avec Thierry Suc, le tourneur de Mylène Farmer, et je me suis retrouvé en tête-à-tête avec lui parce que Marie n'est pas venue au dîner. Évidemment, la tournée ne s'est pas faite, mais je ne lui ai, je crois que c'est pour ça qu'on est restés amis, je ne lui ai jamais voulu de rien ou de quoi que ce soit. Je crois que la règle avec Marie, c'était d'accepter ses décisions, d'accepter qui elle était, comme elle était, et c'est comme ça que moi, je l'aimais et que je l'aime encore parce que je voudrais vous dire quelque chose, mais vraiment, qui est très sincère. C'est celle qui me manque le plus dans la vie aujourd'hui. Elle me manque, mais vous ne pouvez pas imaginer comme elle me manque depuis novembre dernier. Pas ses chansons, parce que ses chansons, je peux les écouter, évidemment. Je peux regarder tout ce que je veux sur YouTube, de toutes ces magnifiques images qu'on a d'elle. Mais la femme me manque, l'ami me manque. Elle était très présente dans ma vie. Et j'y pense tout le temps, 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 tout le temps. C'est émouvant, hein? Et c'est vrai que Laurent, c'était très surprenant, mais c'est lui qui a convaincu votre maman de remonter sur scène. C'est dommage qu'elle ne soit pas venue au dîner avec Thierry Suc, parce qu'ils auraient fait une tournée triomphale. Mais elle se... Je pense qu'elle ne se sentait pas vraiment pour elle être sur scène. Elle est restée traqueuse jusqu'au bout. Et je pense qu'elle ne se sentait pas d'assumer ce trac, de se trimballer comme ça. Et Dieu sait qu'elle aimait Laurent. Je pense que... si lui dit à quel point il l'a aimé, je pense que franchement, elle n'a jamais aimé comme elle a aimé Laurent. Ça, c'est... Laurent me disait souvent qu'elle était une inconditionnelle de ses émissions On n'est pas couché, qui regardait tous les samedis et qu'elle l'appelait régulièrement pour lui faire un compte-rendu et lui dire, sans langue elle de bois, tabassait sans parfois, langue de bois, tout ce qu'elle pensait. Ah oui, oui. Je pense qu'il avait le vrai retour de ses émissions avec ma mère qui lui disait ça, c'était génial, ça, c'était nul, comment tu peux faire des trucs pareils. Enfin, et c'est pour ça que leur amitié est si belle.
c'est qu'ils ne se sont jamais mentis, jamais cachés quoi que ce soit. Ce n'était pas Laurent Ruquier et Marie Laforest, ouais. C'était vraiment Laurent et Marie. Et c'est un couple, et je comprends que ça lui manque, puisque il dit qu'il a beaucoup ri avec elle, mais c'est quelque chose qu'on connaît moins d'elle. Mais pour moi, c'est, je pense, une des femmes les plus drôles du monde que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Son humour, il était... Dévastateur, mais aussi génial, quoi. Elle est aussi géniale qu'un Pierre Bénichoux qui peut nous manquer beaucoup aussi. Ou autour de Laurent, il savait s'entourer de gens très très drôles. Et c'est aussi surtout pour ça, je pense, qu'il aimait maman. C'est parce que vraiment, elle avait un humour dingue, quoi. Vous êtes de temps en temps fâché avec elle, engueulé avec elle. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Elle portait un jugement sur votre vie. Sur vos fréquentations ? Pas sur les fréquentations tellement. C'est même, oui, sur la vie d'une manière générale. Elle avait une façon de voir les choses. Et c'est vrai que si c'était pas en accord avec... notre vie n'était pas en accord avec ce qu'elle voulait... Elle vous le disait carrément. Oui, c'est surtout qu'elle arrêtait de le dire. On se parlait plus pendant un petit moment. Ça, c'est arrivé, oui. Vous aussi, vous avez eu des périodes d'engueulade ? Oui, on a eu des... C'est une vie on-off. Mais quand c'est on, c'est super on, c'est super intense, vraiment. C'est beaucoup de conseils, beaucoup de joie, beaucoup de regards, des super déjeuners qu'elle nous faisait, des moments, des week-ends, des trucs. Enfin, vraiment, c'était génial. Et puis, par moments, elle n'était plus là, quoi. Vraiment, elle aimait pas un truc et hop, on ne savait pas comment ça glissait. Et voilà, elle disparaissait un peu. Mais en fait, ce que dit Laurent, il faut, si on revenait, elle était là, quoi. Enfin, c'est pas quelqu'un de rancunier, c'est pas quelqu'un de... Spontané et libre. Spontané et libre, vraiment, quoi. Très libre. Ouais. Alors, à la fin du spectacle, en 2005, au Bouffe Parisien, elle terminait par une chanson mythique qui a fait le tour du monde, qui était « Les vendanges de l'amour », écrite par Michel Jourdan et Daniel Gérard, c'était en 1963. Les vendanges de l'amour, vous connaissez que ça. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. La vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui, je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. La vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. La 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 la. Quand je pense qu'elle n'aimait pas sa voix. Non. Vous l'avez entendu chanter pour la première fois quand ?
Vous en souvenez? Quand j'étais dans son ventre, hein, je pense. Ouais, déjà. Moi, en tout cas, je n'avais pas le droit d'écouter ses chansons à la maison. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai écouté une de ses chansons ou un album entier, c'était chez une de mes meilleures copines à l'époque, Alexandra. En vacances, j'avais eu le droit de partir en vacances une semaine chez elle et on a écouté l'album en boucle. Alors par contre, c'était toute la journée, c'était toutes les chansons et j'étais très très émue et étonnée de l'entendre chanter parce qu'en fait, je ne connaissais pas. Mais j'avais déjà peut-être 8-9 ans quand même. Alors elle a chanté les chansons des autres et il y a eu un duo qui figure sur l'album de Guy Béard qui vient de sortir, je vais en dire un mot dans un instant, c'est Mon cher Franz. C'était sur notre plateau, je m'en souviens très bien, en 78, devant les caméras de Rémi Rabat, c'était les rendez-vous du dimanche, avec Béard, elle s'entendait très bien, la chanson est très drôle, et la façon dont elle la chante est très très drôle. Mon cher Franz. On l'écoute. Chérie, rentre, il est grand, elle est par cœur, écoute. Chérie, rentre, il est grand temps, ton mari est très souffrant. Mon mari est très souffrant, qu'il prenne un médicament. Allez, mon cher Franz, encore une danse, je rejoindrai mon vieux mari après. Allez, bien, mon cher Franz, encore une danse, je rejoindrai mon vieux mari après. Chérie, rentre, tu dois rentrer. Mon mari est décédé. Mon mari est décédé. Il n'y a plus rien qui puisse l'aider. Ce moment, on doit lire son testament. Que dis-tu en ce moment? On doit lire son testament. Non, mon cher Franz, plus une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari. Oh, mon cher Franz, plus une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari. On ne dira jamais assez le nombre de succès et de chefs-d'œuvre, le mot n'est pas trop fort, qu'a écrit Béard. Alors justement, il y a 20 artistes qui reprennent les chansons de Béard. Mon cher Franz, dans cet album, est chanté par Emmanuel Béard et Julien Clerc. Il y a Le bal c'est temporel, il y a Emmanuel Béard et Dutron, qu'on est bien. Il y a tous les grands chanteurs que vous aimez. Il y a Carla Bruni qui chante C'est après que ça se passe. Il y a Les couleurs du temps, il y a Maxime Forestier, il y a Vianney qui chante Il n'y a plus d'après, il y a L'eau vive, et il y a même Christophe qui chante Vous, c'est vous. Tenez, c'est pour vous. Merci beaucoup. Alors, il y a eu un moment important dans la vie de votre maman, sur scène de 97 à 2008, par intermittence, elle a été Callas. Callas, c'est la masterclass, il y a eu deux Callas, il y a eu Fanny Ardant, il y avait une mise en scène de Polanski et de Didier Long. Elle était très très fière de ce spectacle, hein. On écoute. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que les autres? J'ai l'impression qu'elle ne faisait pas le même métier que les autres chanteuses. Non, c'est-à-dire que déjà au départ, elle a eu plusieurs chances. Elle a eu la chance déjà de tomber sur un metteur en scène comme Visconti, oui, qui a fait que tout le péra qui était joué ou chanté à cette époque-là d'une manière assez archaïque, et pour cause du reste, parce que la voix était plus importante, c'était la voix qui jouait le rôle et non pas la personne. Mais et là, elle s'est trouvée juste au moment où Visconti s'occupe de ça et où on incarne davantage le personnage sur un plan de la mise en scène, sur un plan physique. Ça, c'était une première chance. Deuxième chance, elle était encore au moment où les chefs d'orchestre écoutaient les voix et savaient travailler avec elle. Donc, l'ensemble du son était harmonieux. On faisait attention à ce que l'un et l'autre expriment un même message musical qui aille dans le sens de ce que voulait le compositeur au départ. C'était en présence de Bernard Giraudeau et de Jane Birkin. Vous avez vu ce spectacle, bien sûr. Ah oui, c'est ce que j'ai vu de plus beau de ma mère. Oui.
ma plus grande tristesse, et je ne sais pas pourquoi, si jamais quelqu'un a filmé en loose day comme ça... Il n'y a pas beaucoup de films de votre maman sur scène. Ben, en fait, même le spectacle de il n'y a que du son. Il n'y a pas de traces. En fait, elle ne voulait pas laisser de traces d'elle sur scène, je crois. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ce spectacle qu'elle a, c'était un chef-d'œuvre absolu. Tous les gens qui l'ont vu s'en rappellent encore. Elle faisait des standing ovations tous les soirs. Et je paierais vraiment cher pour avoir un bout de... ou même la totalité de la pièce, mais malheureusement, je crois que ça n'existe pas. Appel à... vu sur scène, bien sûr, on était à la ensemble, première à Monaco. Monaco. On est arrivé, il faisait nuit, on est reparti le lendemain matin, il faisait encore nuit. On n'a pas vu grand-chose de Monaco, mais par contre, la pièce, ça nous a scotché. On n'en revenait pas, vraiment. Vraiment scotché. C'est, je pense que c'est la fois où on a été le plus ému, fier, et le plus ému. Moi, j'étais en larmes, on était en larmes. Vraiment, c'était un spectacle. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas joué jusqu'à la fin, parce que ça lui correspondait tellement. Elle rendait tellement hommage à Callas. C'était vraiment magnifique. Cette année-là, elle a été nominée pour Callas. Et honnêtement, je pense qu'elle le méritait, mais mille fois. Et ça aurait changé énormément de choses si elle avait chopé un jour un petit César, si elle avait eu un Molière, si elle avait eu la récompense du métier. En fait, elle faisait semblant de ne pas le vouloir, mais je pense qu'elle a été très blessée. Et même ses chansons passent pas tant que ça en radio, et parce qu'elle n'a jamais voulu jouer le jeu social d'aller graisser la patte d'un tel ou un tel. Voilà. Laurence, c'était de la pure amitié, donc ça a marché. Mais il y a plein d'artistes qui font ça avec plein de gens qu'ils n'aiment pas forcément pour pouvoir être toujours passé en radio, passé en télé. Elle, ce n'était pas son truc. Elle n'était pas prête à ce genre de compromis. Et je me rappelle vraiment le soir des Molières, quand elle a été nominée pour Callas et qu'elle ne l'a pas eue. Je sais à quel point ça a changé quelque chose pour elle. Ça l'a blessée parce que c'était vraiment si le métier avait voulu lui rendre hommage à ce moment-là, il l'aurait fait là. Oui. Et elle a toujours été mise à part. Et ça, ce n'est pas de la parano, c'est une réalité, vraiment. Vous êtes maman toutes les deux. Ouais. Qu'est-ce que vous avez raconté à vos enfants de leur grand-mère ? Le goût du travail bien fait. On a eu des dîners géniaux de Noël, d'anniversaire, etc. Vraiment, les jours où elle était bien présente, en forme, ils se sont dit, oh là là, mais on a une grand-mère géniale, quoi. Enfin, ils ont vu, je suis contente que mes enfants, et tes enfants aussi, ont pu voir des bouts d'elle comme nous, on l'aime, c'est-à-dire drôle, incroyablement fertile en idées. Quand elle se mettait à dessiner avec un enfant, c'était incroyable. Enfin, voilà, ça... Elle n'était pas assez présente peut-être comme grand-mère, mais les moments où elle était présente, c'était du génie pur. Donc voilà, je crois que... Ça et puis ils ont vraiment appris à la connaître aussi après sa mort, bizarrement. Mais moi aussi, hein, franchement, on a découvert... Sa fille et ma fille ont chanté a cappella une chanson d'elle en l'église Saint-Eustache. Et c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie, franchement. C'était sublime. En quels termes elle était et elle est restée avec ses anciens maris ? Ils étaient tous là. Tous bons termes et de très, très, très amis en bonne intelligence. Vous continuez à vous voir ? Ah oui. Et puis ils étaient très affectés à l'enterrement. On sent que c'est une femme qui les a marqués, même s'il y a eu des hauts et des bas. Vraiment, ils étaient tous encore un peu amoureux d'elle, je crois. Alors, elle a gardé son humour jusqu'au bout, parce que vous l'avez dit à l'hôpital. Elle vous a dit, on imagine très bien le disant, « Oh là là, la mort, c'est crevant. » Ouais. c'est un de ses derniers mots, c'est ça, ouais. On va retrouver Laurent Ruquier. La suite de l'entretien que j'ai eu avec lui, il parle de votre maman d'une autre façon encore. Alors maintenant, parlez-moi de l'autre Marie que vous connaissez parfaitement. Mystérieuse, fantasque, la vie amoureuse, la vie... personnel. Moi, je ne l'ai connue que... De Marie, c'est extraordinaire. Je ne l'ai connue que célibataire. Je ne l'ai pas connue avec ses maris. Elle s'était déjà séparée. Elle disait, tout ça, c'est du passé, c'est fini pour moi. Moi, je l'ai connue toujours seule. C'est pour ça qu'elle venait chez moi, elle est venue à Marseille. On a visité le MUCEM ensemble à Marseille. Vous ne voulez pas qu'on la photographie ? Non, j'ai très peu de photos d'elle et moi. J'en ai une au MUCEM, justement, à Marseille, avec le coucher de soleil. Elle s'intéressait énormément à l'art. C'était fantastique de visiter une exposition.
exposition avec elle, c'était fantastique. Je peux même vous dire, quand on a visité, je m'en souviens très très bien, parce que c'était le soir de l'élection, on était tous les deux chez moi à Marseille, Marie et moi, et c'était le soir de l'élection de François Hollande, le deuxième tour. On a suivi tous les deux le résultat du deuxième tour. Elle n'était pas spécialement de gauche, hein, Marie, on le sait. Moi, je ne suis pas spécialement de droite, mais on s'entendait parfaitement parce qu'on n'en a rien à fiche de la politique dans la vie. On peut être ami avec des gens de droite comme de gauche, il y a des cons de tous les côtés. Donc, on a regardé ensemble l'élection de François Hollande. Elle n'aimait tellement pas Sarkozy qu'elle était contente que Hollande soit élu. Mais bon, voilà, ce n'était pas ses idées. On a arrosé ça ensemble. J'ai des tellement de soins. Et le sport, elle aimait le sport, le football, le rugby. Elle passait beaucoup de temps devant la télévision, en tout cas sur son ordinateur, à regarder les choses. Alors, elle a fini sa vie en Suisse, à Genève, et dans une clinique. Racontez-moi. Dans le sud de l'Espagne aussi, ces dernières années, elle est partie au soleil à un moment donné. Racontez-moi les dernières rencontres que vous avez eues avec elle. Elle savait qu'elle en avait assez. Oui, elle savait qu'elle allait s'en aller, elle nous l'avait dit. Heureusement, sa volonté, sa force, enfin, je ne veux pas dévoiler des choses qui sont trop intimes, mais on fait qu'elle est restée encore longtemps. Et moi, je suis allé la voir dans le sud de l'Espagne, je suis allé la voir dans sa clinique en Suisse. Et à chaque fois, elle est là encore. Elle était drôle. Parce que c'est le poids commun qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que les choses les plus graves, on a tendance à les, à très vite mettre un voile dessus avec un bon mot, quoi. Alors, un mot sur ces... Vous l'avez évidemment, moi je l'ai écouté en partie, l'intégrale 18 CD. D'ailleurs, il y a le son de votre dernier spectacle. Oui, alors à l'époque, elle ne voulait pas qu'on sorte l'album live. Et puis, j'ai été surpris qu'elle dise oui. Elle a dit oui à Johan Masson, justement, ce jeune fan de Marie, qui, comme moi d'ailleurs, a découvert Marie Laforêt seulement dans les années... Ce qu'il a fait, un travail colossal. Dans les années 90, il s'est rendu chez elle à plusieurs reprises, dans le sud de l'Espagne, lui aussi, en Suisse. On se croisait, on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et là, on est en train de travailler ensemble sur un documentaire pour France 3, qu'on verra, je pense, en fin d'année. Avec Philippe Tullier. Et ce garçon, Johan Masson, a su, si j'ose employer ce verbe-là, apprivoiser Marie. Et comme elle savait, je pense qu'elle allait s'en aller, elle s'est dit... Parce que ça, quand même, il faut dire une chose. Moi, j'avais envie, je ne sais pas si ça s'appellera comme ça, mais d'appeler le documentaire qu'on verra « La chanteuse malgré elle ». Parce que c'est un peu ça, ça définit bien la carrière de Marie Laforêt, « La chanteuse malgré elle ». Mais quand même, elle a toujours... genre un peu dit oui, oh les chansons, tout ça, je m'en fiche, ma carrière, je m'en fiche. Mais il y a une chose dont elle ne se fichait pas quand même, c'est l'amour du public. Elle n'aimait pas les fans, les gens qui attendaient. Là, pareil, on se reconnaissait un peu, les gens qui attendent à la sortie d'un studio. Respecter le public. Les gens qui attendent à la sortie d'un studio, ça, elle n'aimait pas. Mais en revanche, les vrais admirateurs, ceux qui vous aiment pour ce que vous faites, pas parce que vous êtes connus, c'est ça la différence. Moi, je suis pareil. Moi, j'aime bien le public qui m'aime pour ce que je fais, pas parce que je suis connu. Être connu, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est connu aujourd'hui et pour des conneries. Elle, en revanche, voilà, et ça, c'est un point commun, je crois, qui nous reliait, on aime les gens qui vous aiment pour ce que vous faites, pas parce qu'uniquement vous passez à la télé. Et pour ce public-là, pour les gens qui l'aimaient, elle a accepté effectivement, au début des années 2000, de revenir au Bouffe Parisien, et elle a accepté, pour Johan Masson, ce jeune homme qui, grâce à qui on a ce coffret, elle a accepté d'offrir ce magnifique objet, parce que c'est un magnifique objet culturel, et il y a des perles là-dedans. Merci Laurent. Vous voyez que je rêvais un jour d'interviewer Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. C'est presque fait. Mais vous êtes chez vous. C'est votre studio, Michel. Merci beaucoup. Merci. C'est assez bien vu, hein. Bah, de toute façon, Laurent sait qui est notre mère. S'il y a quelqu'un sur la Terre qui sait exactement qui elle est, j'ai du mal à dire qui elle était, parce qu'en fait, elle est encore beaucoup là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Elle est encore beaucoup là, sûrement en moi, mais... Alors maintenant, c'est le moment où vous allez repartir encore avec des souvenirs liés à votre maman, parce qu'Emmanuel Chenu, dessinateur, a réfléchi, il a travaillé, il a étudié la carrière de votre maman, il a suivi l'émission en coulisses, et voici le résultat. Pour commencer la série de dessins, l'opérateur Lumière de Marie Laforêt, celui qui nous a permis de la redécouvrir, parce que quand on est né en 66 comme moi, on connaît bien entendu Marie Laforêt, mais les nouvelles générations
ont découvert Marie Laforêt. Plein soleil. Laurent Ruquier a pris la place de René Clément. Plein soleil sur Marie Laforêt. Et moi, je remercie Laurent Ruquier pour ça, parce que c'est rare. C'est très rare de remettre de la lumière là où il y avait un peu d'ombre. Une des plus belles chansons sur les Beatles, ce qu'il faut le dire, c'est « Il a neigé sur Yesterday », mais ce qu'on ne sait moins, c'est qu'elle a fait la reprise de « Painted Black ». Elle était aussi Rolling Stone. Elle avait le versant Beatles et le versant… C'est vrai, elle a fait le lien entre… Avec cette chanson où elle est Marie Douceur, Marie Colère, et c'est bien elle. Ouais. Alors, elle partage aussi certainement une des plus belles chansons de la chanson française avec Bourvil. J'ai voulu les rassembler pour la tendresse. Quelle belle chanson. Et puis, c'est vrai que Marie Laforêt, elle porte en elle ce drame du viol. J'ai imaginé qu'elle pouvait le partager avec Barbara. L'Aigle noir, c'est une des plus belles chansons qui parle de ça. Alors, quand elle joue la calasse, certes, elle n'avait pas la voix de la calasse, mais elle avait cette chose qui va traverser le temps. C'est bien d'avoir du coffre, etc. Mais si on a un timbre, le timbre de Marie Laforêt, eh bien on ne meurt jamais. Et puis, je me suis inspiré pour le dessin que je vais vous montrer de ce que vous avez dit le pinard. C'est par votre phrase. Je me suis dit, comment je peux la voir là, quand vous dites cela? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? J'adore, parce que c'est presque du Audiard. Hein. C'était à une époque où elle se séparait de son troisième mari, je crois. Et j'étais à l'école et un soir, je rentre et je l'entends dans le couloir. Elle était au bout du couloir au téléphone et je l'entendais qui dit « Que tu me trompes avec un tel, je m'en fous. Que tu me prennes mes affaires, je m'en fous. Mais que tu touches à mon pinard, alors ça, non !» Ben voilà. Et voilà, donc là, ce dessin est d'emblée pour vous. Merci beaucoup. En tout cas. Alors, deux acteurs, deux monstres sacrés. Quel est le monstre et quel est le sacré? Elle tourne le dos là, Delon. Alors, bien sûr, ça, c'est Plein Soleil. Ça, c'est Flic ou Voyou. J'aime cette scène de la Rolls-Royce où il change le pneu, il enlève son smoking, on découvre son pistolet. Cette scène, elle est formidable. Et voilà, jouer avec ces deux personnages, c'est quand même exceptionnel. Et puis, Michel Audiard, des plus grands auteurs dans Les Morphalous, qui pouvait dire mieux que Marie Laforêt cette réplique cultissime. Donc ça se passe en Tunisie, elle est mariée à un banquier, il y a un casse fait par des légionnaires français, et voilà, son mari fait pipi sur un câble, s'électrocute et elle dit cette phrase avec une classe absolue. Il n'y a que Marie Laforêt qui pouvait dire une phrase d'Audiard de cette façon. Cette réplique, elle est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Ça, il faut le dire, ça. Alors, pour conclure, le jour où elle est partie, il a neigé sur le Léman, la côte qu'elle aimait tant. Genève et Lausanne. Donc ça, c'est le dessin. Voilà, j'imagine. Elle est, comme dit Ruquier, c'est une actrice, mais là, elle tient son micro parce que finalement, les chansons, on peut les écouter partout. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile de dessiner sur Marie Laforêt parce que la pression est immense. Et c'est une femme que j'adore. Et elle est, je peux vous le dire, vous le savez, très très présente. Voilà, merci beaucoup. C'est pour vous tout ça. Ah bah, génial. On va ramener ça. Et c'est gentil aussi d'avoir mis aussi Génolier parce que c'est là qu'elle est partie. Et voilà, un grand merci à tout l'équipe extraordinaire qui a été avec elle et avec nous à ce moment-là. Vraiment, on en profite. Toute la famille était là. La famille était autour d'elle. La famille était autour d'elle en fait. Et c'était vraiment. Un moment magnifique, même si c'est des moments qui sont difficiles. C'est un moment qui s'est passé dans une grande douceur. Et le personnel hospitalier de Génolier a été extraordinaire. Comme souvent, le personnel hospitalier peut se montrer extraordinaire. J'en profite encore pour le dire là. Alors, avant de se quitter, on va parler de vous, Lisa, parce que pour le métier, vous êtes
la fille de Marie Laforêt, certes, mais un metteur en scène. LOL, ça a marqué le cinéma ces dernières années. Et puis il y avait Rencontre avec toujours Sophie, le biopic de Dalida, on en avait parlé. Mm. Et puis récemment Mon bébé avec Thaïs Alessandrin, qui est votre fille. Vous travaillez en ce moment sur un film ? Oui, ben je travaille toujours en fait. Toujours ? Parce que j'ai la chance que le travail ne soit pas pour moi une torture. Donc, Alors c'est un bon enchaînement pour parler de votre livre « La vie en ose ». Qui est Alice ? Alice, elle a une cinquantaine d'années. Elle vient de voir s'envoler du nid sa petite dernière qui a 18 ans, qui part vivre sa vie. Elle est triste. Et c'est un moment très important dans la vie d'une femme lorsque les enfants s'en vont. Oui, c'est comme un... En fait, c'est comme un chômage, sauf qu'on a beaucoup de compassion pour les gens qui perdent leur travail, et c'est normal, parce que souvent, ils sont démunis. Mais quand on a été femme au foyer et que les enfants partent, eh ben, voilà, le livre démarre en disant « Qui est-on quand on n'est plus la mère ou la fille de quelqu'un ?» Il faut ajouter aussi que son mari l'a quittée, oui, pour une femme plus jeune, oui, qui n'est pas un détail. Qui n'est pas un détail, mais c'est... voilà, en fait, j'avais envie de faire un livre un peu de développement personnel, parce que j'ai appris beaucoup de choses ces dernières années. J'ai appris surtout à penser avec un A et avec un E mes nombreuses blessures, et notamment celle-là, parce que c'est pour toutes les femmes, même si c'est génial de voir les enfants devenir autonomes, c'est aussi un moment un peu douloureux, c'est une sorte de deuil. Comment rendre le deuil vivant? Et comme c'était un peu l'année des grands deuils pour moi cette année, comment on remet de la lumière sur, comme vous avez fait là dans le dessin, comment on remet de la lumière sur l'ombre? Et c'est un peu toute l'histoire et de ma vie que j'ai essayé de mettre dans ce livre comme un livre de recettes. Au lieu que ce soit des recettes de cuisine, c'est des recettes de bien-être intérieur pour les femmes. Quand sa fille s'en va, après tout ce qu'elle vient de vivre, elle a l'impression qu'elle a gâché sa vie. Il y a une période très très douloureuse, et puis elle va entamer un nouveau chapitre de sa vie, hein, avec un seul but, cesser d'être une déprimée solitaire. Absolument. Je vous dis, c'est vraiment un livre pour donner envie aux femmes, parce qu'en plus, c'est un âge où les enfants partent, et souvent, on doit s'occuper des parents malades aussi. Hein. C'est un peu... c'est un âge qui est compliqué pour ça. Et c'est important, à mon avis, que les femmes puissent avoir accès à plein de petits détails qui peut leur rendre leur vie beaucoup plus belle. Et en fait, il suffit simplement d'oser. Et oser, ça veut dire quoi? Ça veut dire affronter ses peurs et aller au-delà et se rendre compte que la vie est encore plus magnifique après 50 ans. La vie en ose, ça sera un film? Peut-être que ce sera un film, je ne sais pas. C'est un bon scénario. Hein. C'est un bon scénario, on verra. Écoutez, on va voir si ça dépend si les gens le lisent cet été ou pas. Mais en tout cas, je sais que les gens qui l'ont lu en ont retenu beaucoup de choses. Vous n'êtes pas l'éditrice? Non, de celui-là, non. Mais, non. Mais si le film est adapté, vous participerez peut-être à l'adaptation. Peut-être. Mais et ça me fait penser, c'est un bon... Sur les femmes, nous, on a créé une association de distribution de livres à des femmes en prison qui s'appelle Aux Oubliés. Et voilà, qui fait un petit peu le lien aussi. Où on en regarde beaucoup, je reçois beaucoup de lettres de prisonniers. La vie en ose. Voilà. Alors moi, j'ai d'autres livres pour vous. Irène Frein. Une plume brillante, grande romancière. Ça aussi, c'est un scénar. C'est un crime sans importance. C'est un crime mystérieux. Une nouvelle enquête qui va essayer de réparer ce que la justice a ignoré. On est en plein dans l'actualité. Ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Françoise Bourdin, quelqu'un de bien. C'est une nouveauté. L'héroïne est médecin dans le Luberon. On découvre sa vie, son métier, qu'elle exerce avec passion, au détriment de sa vie privée. C'est un roman sur la vocation et sur l'importance des choix personnels. Ça aussi, ça va vous intéresser. Et puis ça, je sais qu'elle nous regarde et qu'elle y tient beaucoup, donc je le fais avec plaisir. C'est Brigitte Bardot qui nous regarde à la Madrague. C'est une BD de Bernard Siessen et Christian Paty. Voilà, c'est la vie de Brigitte en bande dessinée. C'est la première fois. Voilà. C'est grâce à elle que ma fille a voulu faire du cinéma. Thaïs en est dingue, de Brigitte Bardot. Ouais. C'est pour elle, alors. Et ça, je félicite M. Masson. Un grand merci à Johan. Bravo. C'est un travail considérable. Ouais, parce qu'il a réussi ce que personne d'autre n'avait réussi. Ah non, c'est vrai que nous, on a essayé de rentrer un peu dans cette vie-là et elle nous a toujours fermé la porte. Merci Déborah, merci Lisa. Voilà, c'était l'histoire d'une femme libre, libre qui a fait ce qu'elle a voulu, qui n'a fait aucune concession, qui avait une grande gueule, mais c'était souvent pour dire des choses, et même très souvent pour dire des choses intelligentes.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. À dimanche. Merci. Merci.